patriote à qui j'avais envie, très envie de parler. Je me suis mis à écrire pour le théâtre parce que de ma table de travail, ma parole pouvait immédiatement rejoindre une scène de théâtre et atteindre les oreilles de ces personnes qui m'entouraient et à qui j'avais envie de poser des questions, de dire des choses. C'est ce qui m'a amené vers l'écriture dramatique, vers la mise en scène aussi et à l'animation d'une compagnie de théâtre. C'est toi l'intelligence. Et tu as parlé du complexe Senghor avec Kwam. Parce que Senghor, tu connais, c'est le personnage que les Africains ont mis sur la croix, pas comme Jésus pour l'emmener au ciel, mais pour le flinguer juste pour le tuer. Ça, je le sais. Pas moi. Moi, j'adore Senghor. Et pour moi, il avait tout à fait raison, en tout et pour tout. Parce que tous, on va nous faire le coup que les Africains font à Senghor. Tu vas voir là. Tu vas continuer à cartonner, papa. On va te dire tout ce qui marche parce que toi qui as fait ça. On va dire que tu as vendu, tu as un support, tout ce que tu veux. Attends dans 2 minutes. Attends qu'on t'accroche une médaille, hein, tu vas voir. Pour te donner un tête à des gens dans la banque, tu vas voir. Quand on va t'appeler vendu, traître, on va dire que tout ce qui ne marche pas là, on a fait respect qui a fait ça, qui a bloqué. Salut. Bonjour. Vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Clémence Hérault, je suis chargée de mission culturelle à l'Institut français du Cameroun, site de Yaoundé. Et aujourd'hui, vous recevez un rôle au forum, le festival de partage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors justement, donc Becky Bey et David Kono ont initié la première édition du Festival International Partage et l'Institut français a souhaité être partenaire de ce festival parce que justement, le festival valorise les arts de la scène et de la parole qui sont vraiment importants au Cameroun, donc on a voulu soutenir aussi cette initiative. Nous sortons d'une table ronde, pouvez-vous nous en donner la connaissance? Oui, alors c'était donc voilà, au cours de ce festival, il y a à la fois des créations inédites, des rencontres professionnelles et des moments d'échange. Et ce matin, on a eu un moment d'échange avec deux figures du théâtre contemporain camerounais, Kwame Tawa et François Eboélé. Donc c'était très intéressant parce qu'il y avait un panel d'artistes aguerris, avertis et nous avions un panel très intéressant qui ont valorisé le travail de ces deux artistes. Quels sont vos impressions du déroulement du festival? Alors, donc là, c'est la clôture de ce festival, donc on a eu 3 jours. À l'Institut, nous avons accueilli déjà 2 pièces de théâtre, la création de Becky Bey, La Fureur à un à l'heure, hier, La Chèvre et le Léopard de Félicité Assé, et ce soir, une création inédite d'Éric Delphin, le metteur en scène Éric Delphin. Donc c'est vraiment des créations avec des auteurs importants et nous sommes vraiment très heureux d'accueillir ces créations au sein de l'Institut français. Et après, l'idée aussi de partager un très beau moment au festival, au village du festival. Votre mot de fin, le message que vous aimeriez passer? C'est une très belle édition pour le moment, les artistes sont ravis, le public également, et nous à l'Institut français, on est tout autant à temps. Merci. Baba, il y a tout à l'heure, parce qu'en plus, il y a Eric qui a aussi commencé à travailler, parce qu'il joue tout à l'heure. Et le temps est déjà. Ouais, à partir de 17h30, ça se passe dans le hall, avec une petite prestation de musique Patrick Lumba. Et à 18h, c'est une performance exclusive d'Éric Delphin, L'Afrique n'ira plus au Vatican. Exclusive. Wow. Salut à vous. Salut. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Aliou Moussa, je suis plasticien. Plasticien, par quelle force de nature êtes-vous devenu plasticien? Bah, je suis plasticien par passion au départ. Je n'ai pas été dans une école pour faire l'art. J'ai appris dans le tas et après je me suis perfectionné. J'ai été à l'école des Beaux-Arts de Rennes quand j'étais déjà mature sur la scène artistique. Je suppose que vous avez une expérience profonde. Pouvez-vous nous rappeler une anecdote qui vous vient à l'esprit, une expérience particulière qui a compté pour vous? J'ai découvert un livre de Camille Corot dans le marché noir et c'est le déclic de toute l'histoire de l'art. De quoi parlait cette
Bah, en fait, c'est un artiste français qui fait le paysagiste. C'est un paysagiste, donc qui fait des paysages et qui est impressionniste, on peut dire aujourd'hui. Et donc, c'est à travers Camille Corot, toute l'histoire est partie. Donc, j'ai fait les jardins d'enfants dans les années 80. Donc, au Cameroun, les jardins d'enfants dans les années 80 étaient assez ludiques et créatifs. Donc, j'ai aussi puisé du jardin d'enfants, l'éducation au départ. Et après, maintenant, dans le tas, avec la lecture, avec une passion dont je ne pourrais pas dire comment c'est venu, mais je savais déjà que je dessinais beaucoup. Et à l'école primaire, je faisais des morceaux choisis dans des cahiers. Mes collègues et mes camarades apportaient toujours leur cahier pour que je décore. Vous savez, à la fin de mes morceaux choisis au CM2. Donc, avant d'aller en classe de 6e, il fallait avoir d'abord un cahier décoré. Ça avait des points. Donc, à partir de là, je me suis découvert le talent d'artiste et le talent de créateur, créatif. Peux-vous me parler du Festival Partage? J'ai eu le bonheur d'être informé par Becky et David Kono, qui sont les co-organisateurs du festival Partage, et parce qu'avec David, on en avait parlé un an avant à Douala, lors de son passage dans un projet qu'il participait avec Kind Collective, au sorti de leur projet en off, on en avait parlé, on parlait des manquements de la scène artistique, parce que pour moi personnellement je suis très intéressé à tout ce qui est susceptible de développer la scène culturelle et artistique. Donc bien évidemment et naturellement on parlait de qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les choses continuent à bouger dans ce que nous on estime utile pour la scène. Donc c'est comme ça, il a respecté sa parole et cette année il est revenu avec un festival. Donc je suis assez heureux de voir que voilà, il a tenu à sa parole. Et Partage en tant que titre était pour moi aussi quelque chose que je voulais traduire comme jeu de mots. Dans Partage, il y a la part de chacun et il y a aussi l'aspect âge. Donc pour partager quelque chose, tu ne demandes pas l'âge de la personne, donc tu partages, tu n'as pas besoin de savoir quel âge. On partage au tout petit et au plus grand. Donc partager demande pas donc la frontière de l'âge. Et dans Partage, il y a aussi âge. Et il y a âge, mais il y a art. Dans Partage, il y a art. Donc, ce jeu de mots m'intéresse. Et la raison pour laquelle vous animez un atelier de peinture. Exactement. Et voilà. Mais l'atelier de peinture, c'est aussi une autre idée, bien avant, avec Becky B et Hermine Yolo, qui est une autre autrice camerounaise et qui est plutôt comédienne, metteur en scène et aussi directrice d'un projet, la résidence des cultures. Donc avec Becky et Hermine Yolo, on en a toujours discuté l'idée de faire véhiculer les messages à nous, nos aspirations de la société camerounaise à travers des supports. Et un t-shirt, c'est un support aujourd'hui qui est idéal parce que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, du coup, avec l'entremède aussi, puis l'appui de Lionel Manga, qui est aussi, qu'on ne présente pas, Lionel est aussi derrière l'idée d'organiser cet atelier-là, qui est voilà, un moyen de transmettre nos idées à travers un t-shirt. Donc je vais animer l'atelier, pas animer dans le sens, ça va être très pratique, c'est pas un truc barbant, c'est une manière de se retrouver. Vous voyez que, voyez-vous, après la pandémie, là, après le confinement, on a envie de se lâcher. Il faut rencontrer les gens, il faut
il faut se défouler pour que voilà, toute la crispation de la période Covid passe. Un mot de fin, un message que vous aimeriez partager? Moi, je partage déjà sur votre petit écran. Je salue à tous ceux qui verront cette capsule-là et de leur dire que à chacun de nous, il y a un brin de quelque chose qu'il faut partager. Partager, c'est la générosité. Partager, c'est l'ouverture. Partager, c'est humain. Donc, je partage mon salut à tous ceux qui verront la vidéo et avec vous aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Lâche la couleur et ça s'infiltre en bas du papier. Mais quand tu tapes, ça dit que tu permets que la peinture se pose. Non, le problème dans le milieu de notre scène culturelle, c'est un problème qui n'a jamais trouvé des gens qui vont appuyer sur le bouton et rassembler des idées derrière. Si on appuyait le problème de la scène et qu'on regroupait un million, un autre artiste vend la même chose à moins de 100 000. Bah ça c'est une question assez subjective en fait, parce que la carrière d'un artiste fait partie intégrante de ses réalisations. Si je suis étudiant et je fais ce t-shirt là, la valeur du t-shirt doit impliquer moi mon cursus. Si je suis en master 2 et que j'ai produit ce t-shirt là, tu connais mon parcours, le prix va être différent. Mais si je suis en route et je le fais dans la rue sans que tu ne connaisses mon parcours, il y a aussi le fait que le sentiment que tu as envers le motif, ça produit donc une valeur ajoutée. Le t-shirt vide, vierge, ne pouvait pas te dire tout le sentiment que les couleurs, la valeur chromatique qui est sur le t-shirt évoque. Ça, c'est aussi un pan de compréhension. Mais moi, en plus de ça, je peux ajouter mon discours parce que, en tant que professionnel, je vais puiser dans mes expériences pour te dire combien de fois je suis capable de te détourner la compréhension d'un t-shirt vide, un t-shirt vierge et un t-shirt avec ce motif-là. Déjà, même le motif-ci, tu vas te demander pourquoi ce motif-ci, pas un autre. Et pourquoi il est comme ça plusieurs fois sur un t-shirt, mais avec différentes couleurs. Et c'est là où donc tu parlais du discours d'un artiste. Bonjour. Vous présentez? Je m'appelle Becky Bay. Je suis musicienne et comédienne et fatiguée. Et voilà, je suis la directrice du Festival International Partage qui en est à sa première édition et le troisième et dernier jour. Voilà. Et dans quel contexte avez-vous décidé de créer ce festival? Bon, je n'ai pas trop envie de parler de contexte. Je vais juste dire que bon, c'est un rêve. C'est un rêve qu'on a depuis des années avec mon ami David Kono. Et tout le temps, on remettait à demain. Mais l'an passé, on s'est décidé, on a dit non, on va le faire de toute façon parce que on estime qu'on a besoin de ce partage, on a besoin de cet échange, on a besoin d'essayer de recréer les équilibres entre les générations et entre les artistes. Donc voilà, en gros c'est ça. Festival Partage, de quoi est-ce qu'il s'agit? Festival Partage, c'est Festival des Arts de la Scène et de la Parole.
la première tribune, premier seigneur qu'on honore, c'est le théâtre. Et puis ensuite viennent les autres disciplines. Ce n'est pas parce que le théâtre est plus important que les autres disciplines ou bien parce que je suis aussi comédienne puisque je suis aussi musicienne. Mais le théâtre d'abord parce que le théâtre a vraiment besoin d'avoir des tribunes d'expression et ça manque beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est le théâtre qui est d'abord le grand maître du festival et puis les autres disciplines artistiques qui sont autour de la parole. Votre mot de fin, le message que vous aimeriez passer? Ben... Avec toute cette fatigue, qu'est-ce que je peux dire de beau? Le message que je voudrais passer... Aimons-nous, vivons et lorsqu'on a envie de faire un truc de nous, tous les moyens et toutes les énergies de le faire et puis, paf, je tombe dans le... Salut. Vous vous présentez? Ouais, moi c'est David Guicono. Je suis comédien, metteur en scène. Mais avant, danseur aussi. Mais avant, j'ai commencé, au départ, je n'ai pas commencé par le théâtre direct, j'ai commencé par la danse. Mon tout premier chorégraphe, c'était Belle QET. Mais je suis arrivé, d'abord l'amour pour l'art, oui, c'est vrai. Je suis arrivé. Je peux vous relancer à chaque fois. Hein. Ouais, ok. Donc, pouvez-vous nous parler de votre amour pour l'art? Oui, mon amour pour l'art, pour le dire vrai, je l'ai même pas choisi. Je suis presque tombé dedans, mais aussi parce que ça avait aussi à voir avec les difficultés aussi de la vie. Je sortais de... Je dis, l'art pour moi a été une thérapie. Je sortais d'un chaos parce que j'avais perdu ma grande sœur aînée. La seule fille de la famille d'ailleurs qui faisait tout pour moi, qui était prêt à décider de dire ok, si tu veux faire les études même aux États-Unis, je paye. Mais du coup, plaf, ça perd. Et il y avait, moi j'ai vécu à Douala, à Bépanda, il y avait à l'époque, ça existe toujours le lieu, mais les activités n'existent plus. Il y avait à l'époque au Kafrat, à Kasmando, à Bépanda, pour ceux qui connaissent la zone. Il y avait le Kafrat qui donnait des ateliers de danse, de théâtre, de musique, de journalisme. Mais c'était au départ pour des jeunes du quartier difficile. Bon, les Pandas est un peu un quartier difficile avant, mais maintenant ça a un peu changé parce que les mentalités aussi souffrent. Donc c'était ça le centre. Et moi j'y allais au départ, même j'étais beaucoup plus intéressé pour... sur la question du journalisme, parce que j'aimais bien écrire, j'aimais bien interviewer, j'aimais bien raconter des histoires. Mais par après, j'ai découvert aussi une autre activité qui était la danse, avec Belle Piété où on a fait des choses. Et après, j'ai découvert aussi qu'il y avait aussi du théâtre, où j'ai commencé au départ par l'humour, avec Aristide Betga, qu'on va appeler, qui s'appelle Cardinal Aristide Ier. Après, on a cheminé et parallèle, puisque dans les activités, il y avait aussi un comédien dans l'activité théâtre qui venait de la MJC, qui s'appelait Calvin Zonou. Lui qui avait déjà fait des activités, qui faisait des activités à la MJC, mais lui qui était beaucoup plus concentré à l'humour,
a décidé de venir à Pepanda, Kathmandu, pour se faire former à l'humour parce qu'Aristide était beaucoup plus spécialisé dans l'humour. Et après, il m'a parlé de la MJC qui avait les mêmes activités, les activités aussi plus intenses qu'à Kathmandu. Et ça, ça m'a plu. Je suis allé à la MJC. J'ai commencé aussi après par les activités de danse et j'ai eu mon deuxième chorégraphe, à savoir Olivier Ngoundé. Et après, j'ai rencontré Eric Delphin qui dirigeait l'atelier, parce qu'Olivier dirigeait aussi l'atelier de danse, de formation de danse, et Eric dirigeait aussi l'atelier de théâtre. Donc c'est là que vient tout, que j'arrive au théâtre, mais je commence vraiment où j'ai vraiment l'amour et la passion de le faire, parce que j'ai fait l'humour, j'ai fait des choses pour la télé, j'ai fait des trucs, mais jusque-là, ce n'était pas trop le truc. C'est quand je rencontre le travail d'Eric et que je rencontre Olivier qui avait un autre travail un peu très poussé. Pas pour dire que l'humour n'est pas poussé, mais l'humour, ça ne me parlait pas. J'avais besoin des choses qui, voilà, qui me sortent des tripes, qui fait rire aussi, mais en même temps qui est moi. Et ça, je le trouvais qu'au théâtre et avec la danse. Et après, je suis allé dans les activités, dans les ateliers de danse à la MJC, les ateliers de théâtre. Et j'ai été formé par Eric et par Olivier, mais à la base aussi par Belle Cuété avec la danse et Aristide avec l'humour. Et par après, j'ai intégré la compagnie COSA à Douala, qui était la compagnie d'Eric, qui dirigeait les ateliers de théâtre à la MJC. Et parallèle, je faisais aussi des choses aussi avec la compagnie Konizing, qui était la compagnie d'Olivier. Et après, j'ai décidé de m'intégrer vraiment, de me lancer. Et j'ai intégré la compagnie COSA à plein temps. On travaillait vraiment très professionnel. Enfin, quand tu parles de COSA à Douala, ou bien à Yaoundé, ou bien au Cameroun, on connaît les travaux qu'on a fait, que ce soit à Yaoundé, que ce soit même hors du pays. Donc, on a eu un parcours. Et après le parcours, on est allé à Douala. On s'est installé pendant, je crois, 2 ans ou 2 ans et demi à Bonendale, à la maison. On a créé un lieu qu'on avait baptisé Rite et Mythe, où on était spécialisé dans le théâtre rituel, théâtre expérimental, avec les danses, les expressions, avec les masques et tout. Et après, on a travaillé peut-être 3 ou 4 ans, et j'avais dans mon envie d'avoir un peu plus d'espace, de voir autre chose. Je suis parti de Douala pour Yaoundé, je suis arrivé à Yaoundé, et top pile poil quand j'arrive à Yaoundé, Martin Ambara, puisqu'il m'avait, je travaillais aussi, entre temps, je faisais les allées et venues entre Douala et Yaoundé. Et il m'avait appelé de travailler sur un projet. Et j'ai travaillé sur le projet à Yaoundé. Après, j'avais plus envie de rentrer à Douala. Et c'est là que je reste à Yaoundé. Je reste à Yaoundé parce qu'il y avait aussi un lieu que je voyais qui tournait, contrairement à Douala, qui c'était un peu. Il y avait les choses qui se tarnaient. Et je fais aussi partie, aussi quand même, de l'une des personnes qui avons construit le théâtre Otni aujourd'hui qui est aujourd'hui reconnu sur la plateforme nationale et internationale, mais je fais partie des personnes qui avons construit, qui quand c'était au départ, c'était vraiment délabré, on a lavé, on a fait la peinture, on a refait les réflexions, on a rendu le bâtiment beau. Et je suis quand même fier de moi parce que la dernière peinture qu'on a faite, je l'ai faite de mes mains. Donc, je suis fier de moi quand je reviens et que j'entends que oui, c'est un lieu qui existe. Je dis oui, super, que ça continue. Ben, après, j'ai eu mon chemin. Après, je me suis installé en Allemagne pour des raisons de famille, après pour des raisons de travail. Et voilà, après, je continue toujours mon métier. Je continue ma carrière tout tranquillement. Là, en 2018, j'ai reçu le prix de jeune artiste 2018 de l'État, parce que l'Allemagne est divisée en États, de l'État de la Nordrhein-Westfalen. Et je viens de boucler une production là en ce moment en tant que metteur en scène. Et puis, après, je suis arrivé en Allemagne, j'ai travaillé comme acteur, mais toujours aussi dans mon envie d'aller un peu plus. Pas pour dire que les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, le travail ne me convainquait pas. Non, c'était juste que je voulais un peu pousser un peu autre chose, je voulais créer un peu autre chose, je voulais faire un peu des choses qui sont un peu moi, quoi. Et depuis 3 ans, je monte aussi des productions comme ça. Et malheureusement, avec Corona, on n'a pas pu ramener la production ici. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, on va les ramener. C'est clair. Et ouais, je viens de boucler une dernière production qui a eu un carton et qui a aussi. L'article a été relayé par le New York Times.
par les critiques de New York Times. J'ai eu la chance parce qu'il y avait un critique qui écrivait pour le New York Times qui est passé pendant le festival et qui a vu le truc et qui a écrit l'article. Au moins ça, je suis content en partie de Douala à Yaoundé, de Yaoundé à Berlin, de Berlin à Dortmund où j'y vis. Donc, on ne peut que se réjouir. Pouvez-vous nous parler du festival Partage? Dans quel contexte vous l'avez créé, vous l'avez mis sur pied avec Becky B et les difficultés ou alors les avantages ou alors est-ce que c'était facile ou évident de le mettre sur pied? Oui, l'idée de festival, c'est une vieille idée qui avec Becky, on se connaît depuis, qui booste, qui travaille dans nos mémoires depuis, parce que depuis ces dernières années, ces dernières 10 ans, les plus grands festivals de théâtre au Cameroun, ça n'existe plus. Bon, ça, c'est encore un autre dossier, parce que ça a reçu plein de subventions des bailleurs de fonds, ça n'a jamais réussi à faire des bonnes choses au Cameroun, et puis les bailleurs de fonds ont arrêté de financer, et puis les festivals sont arrêtés. Et avec Becky, on se disait, est-ce qu'il ne serait pas bien de créer une idée de festival et tout. On en parlait longuement, mais vraiment, l'idée a été claire de décider de dire, OK, on le crée le festival, vraiment. On arrête de parler, on arrête de s'échanger les mails et des cris. C'était à la résidence à Paris l'année dernière, à la Cité des Arts, où on s'est dit, bon, OK, on commence vraiment le festival. 2020, on le fait. Égal où on a les subventions, on n'a pas, mais on y va. Et bon, l'idée du festival aussi, parce qu'on se disait, oui, festival, mais dans quel sens? Partage, parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, il y a un conflit de générations. À chaque fois qu'il y a une génération qui monte, il y a un vide et la transmission, il n'y a pas une couloir de transmission dans la chaîne des arts de la scène au Cameroun, dans tous les domaines. Enfin, dans les domaines, beaucoup plus dans le domaine des arts de la scène. Je ne veux pas parler des arts plastiques que je connais le mieux. Et on s'est dit, OK, partage. Partage par apostrophe âge, les parts dans les âges. Et dans l'idée des parts dans les âges, ce n'est pas de rejeter les aînés, non. C'est de dire si ce que l'aîné dit, ou bien ce que l'aîné, si on peut aller vers un aîné qui permet de reconstruire cette ligne qui peut suivre entre les générations, pour nous c'est intéressant parce que depuis longtemps au Cameroun, tout fonctionne par état d'âme et par clan. Et j'ai même envie de dire par ethnicité. Du coup, dès que s'il y a un groupuscule d'artistes qui ne s'entendent pas, ou bien qui s'entendent, ou bien qui ne s'entendent pas, ça crée toujours des petits clans et des petits groupes. Quand tu regardes même très bien, il y a des petits groupes et des petits clans d'ethnicité. Parfois, ça parle la langue, parfois, d'une façon très naïve, mais tu dis, mais on combat le tribalisme, mais on est dans le tribalisme. Donc, voilà l'idée sur laquelle on a créé le festival et on s'est dit, bon, on le fait. Avec ou sans moyens, avec tout ce que ça comporte, c'est vrai qu'on regarde, on en parlait même hier soir, on a vu qu'on a eu plein de manquements, mais là on y travaille. Mais pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait une plateforme qui existe, qui donne la place aux nouveaux jeunes metteurs en scène, qui donne la place aux nouveaux jeunes auteurs, qui donne la place aux nouveaux créateurs. Parce que pendant longtemps aussi, on a parfois fermé la tête des jeunes de dire c'est impossible de dire que tu peux faire de la mise en scène. De dire c'est impossible, de dire tu peux créer un projet, que tu le montes, que tu es directeur d'un projet ou bien que tu es directeur d'un festival. Parce qu'on a toujours pensé que monter un festival, c'est il faut avoir 50 ans, il faut avoir 40 ans, il faut avoir un certain âge, un certain background. Non, mais on apprend chaque jour. Donc l'idée du festival, c'est de dire c'est possible de le faire, c'est possible d'organiser, c'est possible de faire des choses. Et puis au Cameroun, il n'y a plus rien, il n'y a rien même. Mais si on ne fait rien et qu'on laisse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des difficultés, c'était facile de mettre cela en œuvre? Comme toute chose, hein, c'est toujours difficile de mettre des choses en œuvre parce qu'il y a des choses qu'on planifie sur papier et maintenant dans l'exécution, proprement dit, dans la phase pratique, c'est un peu difficile sur les questions organisationnelles pour prendre les autorisations, parfois qui ne sont pas possibles. Par exemple, avec la sono, si tu vas louer la sono, par exemple, après il faut savoir qu'il faut gérer comment il faut ranger. Au départ, on avait un endroit où on pouvait ranger la sono, mais ce n'était pas possible. Donc maintenant, là, ça engage des nouveaux coûts. C'est juste des choses comme ça qu'on a prévues sur papier, mais après, dans la phase pratique, c'est des choses qui changent. Mais les imprévus aussi, bien la grosse difficulté qu'on nous on a, c'est comment intéresser, ce n'est pas trop intéresser les artistes, mais c'est comment intéresser aussi la conscience collective en tant que public. Parce que depuis que le festival a commencé, on est à Yaoundé avec des grands artistes qu'on a à Yaoundé. Il y a peu qui viennent. Les gens quittent de Douala pour venir assister à notre événement. Mais on a des artistes à Yaoundé. Tout le monde dit qu'il est occupé. Mais tu te demandes, mais comment tu peux dire que tu es occupé?
quand il y a un événement, que tu sais bien que l'événement a été annoncé, comment tu n'arrives pas à trouver un jour, ou bien c'est pas une demi-heure pour arriver à un événement. Donc voilà les difficultés sur lesquelles on a, les difficultés entre nous qui installons en tant qu'une génération, les difficultés qu'on a avec l'en face, en tant que même avec les artistes, c'est la difficulté aussi qu'on a aussi avec nos frères aussi artistes, de venir soutenir un mouvement. Il n'est pas question de monter le festival pour dire que oui, c'est nous qui contrôlons le système de l'art. Tout ça, c'est révolu. C'est ailleurs. Le débat, il est ailleurs. Maintenant, c'est de dire, OK, comment on monte quelque chose qui, dans la conscience collective, qui reste? Parce que moi, ça me sert à quoi d'être directeur de festival? J'ai dit, mais qui prend la direction du festival? Si tu es fatigué de la direction du festival, on trouvera un jeune ou à qui, à un moment donné, on dit, OK, après 5 ans du festival, on le laisse avec la direction du festival. Après, on part chercher. On réfléchit sur autre chose. Peut-être maintenant sur la pratique ou bien sur l'esthétique, sur comment travailler en tant qu'artiste. Parce que comment penser en même d'abord un projet comme entreprise culturelle? Parce que l'idée même de ce festival, on ne le pense pas comme un festival qui va avoir les subventions chaque année et puis qui va continuer à partir des subventions. Non, on le pense que ça peut recevoir les subventions pendant 5 ans et au bout des 5 ans, ça travaille comme une industrie à pouvoir régénérer de l'argent au point où si on avait pas sans subvention, on existe. Moi je subis ça. Je vais faire quelque chose pour le boulot qui est pas fait pour le boulot. Si vous avez envie de faire, vous avez envie d'être canon, comment ça fonctionne, mais après le reste, c'est toi. C'est tout ce que moi je veux dire. Ça dit des choses. Non, on va faire. J'ai placé ça sur le signe de l'amour. On va se faire tout ce qu'il y a pour moi. D'accord. I'm not sure.
Ah. Oui, salut mon cher ami. Peux-vous vous présenter ? Oui, moi c'est Nkoyengwe Eric Delphin. Je vis à Douala. Je travaille à Douala. Et je suis d'abord à la base comédien, performeur, metteur en scène et auteur. Donc je dirige une compagnie de théâtre à Douala qui s'appelle la compagnie COSA. Et je dirige aussi un festival de théâtre, de danse et de performance qu'on appelle Comptoir 54. Ça a lieu chaque année. Malheureusement, cette année, ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie sanitaire. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur moi? En tant qu'auteur, je viens de sortir un nouveau livre là, j'étais à lancement en Belgique, qui s'appelle Taxi Woman. Donc, j'aurai le temps de dédicacer ici à l'insuffisance de Yaoundé. En tant qu'auteur, j'ai déjà écrit une vingtaine de textes, dont 8 ont été édités, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Donc, en tant que metteur en scène, je monte une ou deux spectacles par an. Donc, je monte des spectacles jeunes publics pour les jeunes, puis je monte des spectacles grand public. Et entre autres, je travaille aussi spectacle performance, pour faire quand on me passe les commandes. Comment êtes-vous venu à l'art? Bon, comment je suis venu à l'art? Je dis que dès la classe de 5e, je suis entré au club de... Je suis en classe de 5e. J'ai commencé la poésie en deuxième année. Parce qu'il faut dire que j'ai fait le secondaire ici. J'ai commencé au CETI de Nguakili. Je suis allé à Sciences Techniques à Etoubé. Donc c'est à partir de... Pardon? Vous savez, c'est la soirée de clôture. Non, non. Collège Sciences Techniques. Collège de Sciences. Oui, oui. Oui. Mais j'ai d'abord commencé au CES, au CETIC de Nguakili. C'est là que j'ai commencé. En classe de deuxième année, j'ai beaucoup aimé la poésie. Je me suis intéressé à la poésie. Donc pendant les KMS, j'ai déclamé la poésie et tout ça. Je lisais beaucoup, beaucoup. Il faut dire que je lisais beaucoup. Et après, quand j'ai fini avec l'école, il faut dire que je suis d'abord infirmier, accoucheur de profession. J'ai fait une formation ici à la garnison militaire de Yaoundé. Et puis je suis allé à l'ouest, finir ma formation. Quand j'ai fini, je n'ai pas voulu le exercer. Ça ne va pas accrocher. Ça va pas accrocher. J'ai décidé de... rentrer dans le rap. Il faut dire que déjà, au CETIC de Nguakili, je faisais dans le rap avec moi aussi. Je faisais des poésies rap. Donc, si tu connais Africa Logic, ouais, nous étions là-bas. Si tu connais Angui F, c'était lui mon maître de chant. Actuellement, il est un grand couturier à Paris. Donc, c'est qui m'apprenait déjà tant le rap, le rap, tout ça, la poésie. Donc, quand j'ai fini ma formation, j'ai décidé de renouer avec cet amour-là. À la maison, j'étais quand même beaucoup de poésie. Mon père m'a dit un jour, ah oui, toi tu aimes faire beaucoup la poésie. Moi je connais un centre de formation, des gens qui font la poésie, qui font du théâtre. Et en ce moment j'étais à Douala. Donc, il m'a montré la maison des jeunes de culture de Douala, je suis allé là-bas, je me suis inscrit. Comme comédien, j'ai fait 2 ans de formation. Donc, c'est comme ça que je suis entré au théâtre, quoi. J'ai fait 2 ans de formation. Quand j'ai fini, j'ai créé une compagnie de théâtre. Et ça, c'était pour là, il faut dire qu'au théâtre, il n'y avait pas beaucoup de comédiens à Douala. Donc ça fait que les choses ont rapidement avancé. Pouvez-vous nous parler de votre participation au festival Partage? Oui, il faut dire que les deux organisations du festival Partage, qui sont David c'est mon petit, il est venu par le théâtre par moi, dans ma compagnie. On a travaillé une dizaine d'années ensemble dans ma compagnie.
Béki, moi j'ai formé Béki. Quand la gamme était en formation à Odi, petit garage, j'ai formé. Donc quand ils m'ont dit qu'ils organisaient un festival, j'ai dit mais c'est super, c'est la bienvenue, moi je vais venir vous soutenir. Donc je suis très content de voir ce festival naître là. Je suis très content de les soutenir. Je les ai proposé cette performance là. L'Afrique n'ira plus au Vatican. Oui, oui. En fait, comme je le disais, une performance, c'était une commande. Donc c'est un festival à Bordeaux qui m'a dit, nous on organise un festival, et on veut traverser le thème de la spiritualité. Est-ce que tu peux monter un truc par rapport à ça? Mais j'ai dit oui. Et déjà que depuis quelques temps, j'ai fait des recherches beaucoup traditionnelles. Je me suis dit, le fait que les colons sont venus avec la Bible, aujourd'hui on voit beaucoup des églises réveillées, on parle de Christ, alors que nous traditions dans nos valeurs. Je me suis dit, je vais essayer de travailler autour de ça. Le titre est venu comme ça, l'Afrique n'ira plus au Vatican, on appelle le Vatican parce que j'estime bien même que le Vatican, chacun son Vatican, c'est le cœur de chacun individu a un Vatican, c'est son cœur, n'a pas besoin d'être tellement attaché au christianisme, au catholicisme et tout ça là. Aujourd'hui ça descend les gens. Déjà un, au départ, il faut dire qu'ils nous ont assez exploités, ils nous ont assez utilisés. Ils ont déraciné en quelque sorte. Donc ce spectacle veut dire, oublions ça, cette époque-là. Revenons à nos racines, rentrons à notre tradition, nous restons dans notre tradition. Les anciens connaissent, mais ne connaissent pas forcément le fondement. Parce que la Bible, par exemple, il y a tout un ensemble de livres, ainsi que le Coran et le bouddhisme. Moi, j'ai écouté un peu de dire. Oui, il faut dire que. Les gens oublient que l'Afrique est la démocratie. Ça a été le défaut de l'Afrique. Ça peut être une richesse en même temps, je ne sais pas. Mais ça a été notre défaut. On est une morale. Mais je pense que de plus en plus, il y a beaucoup d'anthropologues qui font des recherches, qui écrivent un document. Le problème, c'est que ce n'est pas connu par le public. Mais il y a beaucoup de recherches des anthropologues qui ont travaillé sur nos cultures. Et je ne pense pas que les gens disparaissent. Puisqu'on est dans la culture, juste, il faut tomber sur la bonne personne. Il fait beaucoup de recherches sur la tradition et quand je parle au village, je retrouve encore des éléments, même si il y a quelques trucs qui sont disparates. Au moins, il y a quand même toujours la tige, la ligne droite qui est là. Et on peut se nourrir de ça. Nous, on doit faire le constat de savoir qu'on n'a pas écrit nos traditions, on n'a pas écrit notre mémoire traditionnelle, et on doit pouvoir faire ce travail d'écrire. Donc, on doit pouvoir s'enrichir. Je pense que. Et c'est justement en montant des spectacles comme ça, pour essayer de dire aux gens, voyez-vous, allez dans votre tradition. Votre sujet, il y a eu Non, non, quand on travaille comme ça, on travaille avec les éléments. On connaît qu'il y a quatre éléments. On a le feu, on a l'eau, on a la terre et on a l'air. C'est ça les symboles. Il y a la jeté dans la terre, j'ai remis le feu, la bouche, j'ai remis le feu aux gens, il y avait l'eau pour mettre la bouche. L'air, on le respire. Et puis un cinquième élément que vous ne maîtrisez pas, mais c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est dans le travail. C'est dans le travail de méditation qui est fait là. Il y a un travail avec l'esprit. Donc, dans les performances, tout ce qui s'applique. Moi, je donne les clés. Maintenant, ça, c'est lui qui. Oui, pour ceux qui sont imposés. Tout à fait. De chercher. Tout à fait. Autre mot de fin. Bon, le mot de fin, je vais juste mes jeunes frères qui ont passé à ce festival-ci là. Moi, je leur tire le chapeau parce que c'est pas évident d'organiser un festival. Ça fait 5 ans que j'organise un festival au Cameroun. Je n'ai pas pensé d'organiser un festival au Cameroun. Je les encourage. Et je veux donner un message aux politiques. C'est pour dire qu'il faut promouvoir la Camerounais. Ils sont très compétents en matière artistique, très bons. Mais il manque de soutien de la part de l'État. Donc moi, j'appelle les forces vives à soutenir les artistes, à soutenir les projets comme ça. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut être des ambassadeurs de la culture à l'extérieur. Votre vision future de l'art camerounais, de l'art africain, de la valeur de l'art dans le monde entier.
Attends, repose encore la question, j'ai pas vu. Vision future de votre art sur la scène nationale et internationale, vision de l'art, elle est favorisée. Ouais, il faut dire que là au Cameroun, il y a les disciplines par contre qui marchent bien, il y a les disciplines qui marchent pas. Par exemple, les arts plastiques au Cameroun, c'est directement représenté. On a la musique qui est vraiment représentée. À part ces deux formes-là qui sont très représentées, les autres formes sont vraiment en baisse. Tu vois, sur le plan international, on ne voit pas beaucoup de compagnies qui ont tourné. On ne voit pas beaucoup de compagnies qui ont tourné. Donc là, moi, je vais dire aux artistes et les artistes, c'est des courages aussi. C'est quand l'État ne soutient pas un événement, qui n'a pas aussi les sponsors qui accompagnent, les artistes, c'est de quoi donc. Je vais dire aux artistes, ne vous découragez pas. Travaillez. Quand on travaille normalement, on finit par. On finit par se faire remarquer et on finit par faire des choses merveilleuses. Donc, je sais qu'en Afrique, il y a certains pays comme le Burkina Faso, comme Guinée-Conakry, le Congo, Brazzaville, qui sont véritablement représentés en Europe. Mais nous, au Cameroun, on n'est pas à l'est du monde. C'est pour ça qu'on vient comme ça, pour soutenir, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont regarder, des gens qui peuvent être des ambassadeurs, des dits. Au Cameroun, il y a des gens qui travaillent. Moi, je veux dire aux artistes, n'abandonnez pas, travaillez, ça va aller. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là depuis jeudi dernier. Ça fait 3 jours qu'on partage la scène ensemble. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? Je sais que le temps est encore festif. Mais rassurez-vous, on a suffisamment de plateaux ce soir pour allumer et pour mettre de la chaleur. Je ne vais pas. Nous avons pris quelques minutes de retard, nous en sommes désolés, mais c'est le temps pour nous aussi de dire merci à tous ces artistes qui, depuis jeudi dernier, de l'Institut français à ici, le village du festival, sont là, ont accepté ces grands moments. C'est aussi le moment de dire merci à nos partenaires, l'Institut français, les Brasseries du Cameroun, la délégation générale à la sécurité nationale, le ministère des Relations extérieures, vous aussi et tous ses partenaires, tous ses amis et cette école solaire qui nous abrite depuis jeudi dernier. Mesdames, Messieurs, l'artiste que je vais introduire est bien avant ce soir pour vous rappeler que nous avons un plateau de danse, nous avons un plateau de musique, nous aurons aussi de la lecture et nous aurons beaucoup d'ambiance. L'artiste que je vais inviter est un chansonnier. Il s'est illustré par une chanson extraordinaire qui va durer le temps qui ne suffise pas. Au contraire, cette chanson est entrée et rentre dans le patrimoine musical camerounais. C'est le père d'Émilie. Mesdames, Messieurs, sa voix, sa guitare,
son talent, sa dextérité. C'est un artiste qui a pris de l'épaisseur et nous sommes toujours heureux de le programmer. Nous sommes toujours heureux de le rencontrer. Si vous êtes au même niveau que moi, je voudrais comme ça, on lève les mains s'il vous plaît. Et on y va, on va chercher un peu de chaleur, un peu de froid. Allez, un peu plus fort s'il vous plaît. Voici pour vous Patrick Yuba. C'est un plat consistant, donc quand c'est petit là, on dit qu'on a goûté. Le moment est tout fait.
Parce que la peau, c'est pas le problème. Là, vous faites de la rime, là. Vous êtes accueillis et acclamés par les chants d'oiseaux. Le métier de Nanga. Benanga, on lui sert pour le bras du corps, et lui vous voilà. Dans une cérémonie, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. La suite, toi-même, tu connais. Oui, tu connais la suite. Le grand de Chevalier l'Ouest et la grande d'Otard. La vraie magie, c'est le travail. Ah oui, oui. La vraie magie, c'est le travail. Et au bord de la mer, les grands piroguiers, le savoir et la retard. Et cette femme, qui est sur la pression des cinq grands de savoir, appelé Moussango. Let's go!